Lazare vient dehors. Et le mort sortit les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un sueur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dépouille mortelle du père Barthélemy, qui donc n'a pas été surpris et étonné par sa disparition inopinée, et qui donc, en apprenant la nouvelle, père Barthélemy est mort, n'est pas resté comme dans un rêve qui allait se dissiper, qui n'a pas été surpris. Ceux qui l'ont vu le dimanche 5 novembre, pendant la célébration ici dans la communauté Abata, ceux qui l'ont vu à la veille pendant le confessionnal, à vrai dire, il n'était pas malade à l'idée. Qui n'a pas été surpris? Surpris parmi les surpris. Barthélemy lui-même a été surpris. En effet, il ne se savait pas si près de la mort et espérait vivre longtemps pour le rayonnement de sa communauté et l'accompagnement spirituel des retraitants. Le père Barthélemy n'a pas donné longtemps à espérer. Et qui n'a pas été surpris? Surpris parmi les plus surpris, sa communauté, sa grande famille de la communauté des frères et fils. Cette surprise-là, qui n'est pas la toute première du genre, avec la mort du père Basile Gérimbert, est cependant des plus désagréables pour les hommes que nous sommes. Que vous dites, chers religieux, que vous n'avez pas la chance? Non, ce n'est pas le cas. Nous prions pour que le Seigneur soit votre soutien et nous vous assurons que nous aussi, religieux, religieuses, prêtres, évêques, cardinaux, nous sommes surpris. Surpris parmi les plus surpris, ses fils et filles spirituels. Comment entendre brutalement la nouvelle « Papa Barthélemy est mort » que vous dites, chers fils et filles, ce qui vous parle aujourd'hui, ce n'est pas notre bouche, mais nos cœurs qui, dans le silence, nous ont poussés ici aujourd'hui pour vous entourer et vous manifester notre solidarité. Surpris parmi les surpris, encore, ses amis. Barthélemy en avait beaucoup. À cause de sa simplicité et de sa facilité de contact. Et que vous dites, amis, oubliez votre propre douleur et travaillez à consoler les plus affligés du groupe. Mais moi aussi, comme vous, je suis surpris. De même que l'union fraternelle du clergé à laquelle appartenait le père Barthélemy. Surpris parmi les surpris, tous les membres de sa famille, proches et éloignés, de la parole de cet homme qui disait « Quand Dieu prend ce que nous aimons, c'est pour faire d'eux des semences de notre espérance. Consolez-vous et consolez vos frères et sœurs. » Tous, nous sommes surpris, abasourdi, atterré, mais sortons de nos surprises. Revenons à la réalité. Interrogeons-nous sur ce qui s'est passé ce dimanche 5 novembre. Comment les choses se sont-elles passées? Ne pouvaient-elles pas se passer autrement? Ce matin, chers frères et sœurs, qu'entendons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Évoquer le souvenir d'un homme bien connu de nous,
Mais pourquoi le faire? Le faire pour la vie.